et la C, d'avoir le mail de nous, on essaie ça aussi. L'école Providence, c'est une petite école rurale, francophone. On offre une éducation francophone, mais aussi culturelle, donc on essaie d'intégrer la culture dans nos leçons. Mais du point de vue canadien, à l'époque, c'était bien notre identité. Je suis vraiment passionné de ma culture parce que ça fait partie de qui je suis. Mes ancêtres se sont battus pour avoir la langue française offerte dans les écoles et j'espère que ça se communique dans la façon que j'agis, avec mon rôle dans l'école, puis j'espère que les élèves sont capables d'adopter ça chez eux. Quand j'entraîne le volleyball, il y a aussi l'aspect culturel. On doit chercher de la musique francophone pour embarquer les jeunes pendant qu'on s'entraîne. On parle français pendant les pratiques et les jeux. Je l'aime beaucoup, c'est unique. J'ai beaucoup de fierté dans ma langue. J'adore être capable de parler une autre langue et j'adore dire à des autres personnes. C'est une opportunité unique d'expliquer ta culture et qui tu es. Je suis un co-capitaine de ma équipe à cause que je parle beaucoup dessus le terrain. Je garde l'équipe encouragée. Je dis c'est quoi le plan pour le jeu. Je n'entends rien que ma équipe. J'ai choisi d'être un co-captain parce que mes actions, comment je joue le jeu, comment je réagis à ce qui arrive et démontrer comment faire quelque chose de nouveau. C'est un sport d'équipe avec des réussites individuelles. Donc je veux voir chaque jeune s'améliorer, mais en célébrant les réussites des autres et en vivant les réussites comme équipe. Monsieur Denis est un bon entraîneur à cause qu'il sait nos forces et sait nos faiblesses, mais il va pas laisser nos faiblesses nous déranger dans le jeu. Il est quelque chose que je regarde être dans le futur. La raison d'être de notre école, c'est la langue et la culture. Parce que lorsque moi je serai plus ici, c'est eux qui seront ici. Et pour que la langue et la culture continuent, ça doit être ces jeunes-là qui sont capables de prendre ce rôle en main et propager ça à la prochaine génération. Je suis très fière de notre école, avec ma langue, avec comment on fait avec les sports et les autres gens que je suis à l'école avec. C'est toujours drôle quand les personnes sont comme l'école française, the French schools. J'adore entendre ça, c'est comme, yep, ça c'est moi.